pour l'instant. Nous attendons que les cloches nous donnent un signal d'entrée. Ça doit durer quelques secondes, puis ça va venir. Nous entrerons et nous allons revenir et nous écouterons le signal. Thank you.
vivre dans un pays qui garantit la liberté de culte et celle de célébrer sa foi dans des lieux appropriés. Alors là, je dis en parenthèse, merci de la laïcité. Comment ne pas avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir célébrer librement leur culte? Fabricat, Pastelot et ses deux architectes du patrimoine, Madame
Le chantier sera arrêté en 1775 et c'est le 26 décembre 1776. Il déposa également, dans le sud-ouest, une boîte commémorative. Les grandes transformations de son décor se situent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où les peintres décorateurs, Antoine de Sucré et Joseph Marinelli, et puis, au-dessus du feu, on voit la date de 1472, qui rappelle évidemment la lune du pape Sixte IV, qui érigeait l'ancienne église en collégiale de l'Empire. Ainsi, tout ce que nous voyons dans cette édition. Merci au cabinet d'architecte avec la passion et le cabinet d'Hélène, présent
Merci beaucoup, Dieu, à Madame Céline Girard, l'architecte, Madame Laurence Frescouni et Madame Sandrine Bresse, d'Alessandro, qui ont été les fils d'Ariane. Nous sommes de nombreux ouvriers, dépassés par les travaux administratifs. Il est dommage que le groupe administratif ne puisse pas être toujours capable de renoncer à de telles améliorations malgré la capacité et savoir-faire. Dans le cœur, n'y est pas, les mains ne sont pas habiles. Et pour la part de l'autre, je remercie beaucoup le courage, la générosité, l'actif, le sentiment de la fraternité populaire, cette agréable et l'image de l'ancienne. Le lieu du service est un succès, vous êtes le charme, et je suis le plus beau le monde. De sa main, la guerre.